Hey, salutations à tous, c'est Jedi du Nord de la Manette et bienvenue à ma série Explore à jeu. Voici le deuxième épisode dans le jeu Caravan Sandwich sur PS5. Mais vous, avant toute chose, comment ça va-t-il? Hein, installez-vous, plaisir de faire avant tout, c'est bon d'interagir avec moi. Ouais, deuxième épisode du jeu Caravan Sandwich. Je dois être honnête avec vous, j'ai joué un petit peu entre-temps. Entre ma première séance et la deuxième, celle-là. Juste pour voir si je faisais les bonnes choses, si j'avançais bien. Et je crois que oui. Donc, je me lance tout de suite dans le deuxième épisode. On va voir qu'est-ce qui en retourne. J'ai avancé un peu, oui, mais pas tant. J'ai peut-être joué 15 minutes de plus, sans plus. Là. Mais ça a débloqué certains. Une chose en particulier, en tout cas, bref. Bon. Ok. Donc, c'est quoi mon objectif? Signal de détresse, ça c'est bon. Mes tomates sont en péril. Gérer l'irrigation des tomates venait me lâcher. Ok. Puis ça c'est. Humain agile. I agile et rapide. Ok, on commence par celle-là. On va aller voir si c'est la carte par contre. C'est où Calvados? Ouais, je veux bien, mais... Ah, ok, faut que je me rende chez Rose. Ah, ok. Bon, parfait. On va y aller, pas de problème avec ça. J'espère qu'il va y avoir une mise à jour via un correctif parce que... L'image qui saccade, là, ça vient gosser à un moment donné. Là. On a eu quelques exemples, là, justement, là, que... Je sais pas trop, l'image, elle devient comme à scintille, puis elle saccade un peu. Là. C'est plutôt gossant pour vrai. C'est pas grand-chose, là, mais ça se corrige via une mise à jour facilement. OK. Je sais pas, je vais peut-être essayer de vous le montrer. Je sais pas si je... Il n'y a pas de mise à jour encore depuis le lancement. Parce que moi, je n'ai pas eu. Pas sur PS5, en tout cas, bref. Peut-être sur les autres plateformes, mais moi, j'en ai pas eu. Oh, purée! Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de son jardin. Je vais aller la voir dans son jardin, alors. Hé, hey, Rose, tout va bien? Non, ma chérie, ça va pas. J'ai cassé mon micro-ordinateur de gestion d'eau. Mince, il fait chaud en plus. Oui, effectivement, il fait chaud. On est dans une genre semi-canicule, je vous dirais, présentement. Je sais pas ce que je vais faire, mes pauvres tomates vont jamais survivre. Mais attends, j'ai trouvé un appareil étrange en explorant les ruines. Ah, c'est ça la petite affaire que j'ai volée au soi-disant robot qui me fait sentir coupable à chaque fois que j'y retourne. Sauge, ma chiquette, tu me sauves la vie! Et surtout celle des tomates. Merci beaucoup, je te prépare un gaspacho dès qu'elles sont mûres. Ah, la soupe froide, c'est très ordinaire. Moi, j'aime pas ça, en tout cas. En attendant, voici. Je m'en dis voici puis voilà, ça donne voici. Voilà l'ancien appareil. Je suis certain que tu peux attirer quelques composants. Trop cool! Merci, Rose. Hey, ça te dirait de faire un peu de jardinage avec moi? Si je réponds non, vas-tu mal le prendre, vous pensez? Ah, ben carrément! Ça me rappellera des souvenirs! Rose, c'est assez hydraté comme ça? Ouais, c'est tip-top, ma chérie! Génial!
Récompense. Composants. En désossant les objets qui vous ont été donnés, vous pouvez dénicher les précieux composants. Oui, ça, je le savais. Tu me l'avais déjà dit. M'a donné. Tu te répètes. Ouais, pas facile le jardinage. Qu'est-ce que Rose pète la forme? Oh oui, ça sent jusqu'ici. Bon, fait que ça, c'est réglé. Maintenant... Salut, Vivi! Une vraie fiche. Ok, mettons je suis ça, puis je vais voir sur la carte, c'est où. T'as un peu, il est où, là? Ok, mais Calvos, il est loin solide. On va aller voir, mettons, c'est à peu près où. Avec le van. Faut que je revienne sur mes pas. Ok. Au lieu d'aller au village, faut que je passe par là. Oh, je te dirais que c'est un jeu calme, avec des petites quêtes ici et là. Puis c'est ça, là. Faut que j'aille des habitants. Faut que je retrouve ma soeur qui est perdue sur une planète. En tout cas, bref. C'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment d'ennemis. En tout cas, je pense pas encore. C'est beaucoup d'exploration. C'est des quêtes à faire, etc. Fait que... Étrangement, l'option, par contre, ça c'est une autre affaire. C'est pas la mise à jour. Peut-être faire qu'il corrige. C'est que... Lorsque j'ai appuyé pour montrer sur la carte, là, ça fonctionne. Mais tantôt, ça ne fonctionnait pas. OK. Moi, je suis où, là-dedans? Là? Wow! C'est loin. OK, fait, faut que je passe par-dessus ça, mais je peux pas pour l'instant. Quoique... attends une minute. Non. J'ai peut-être dit quelque chose. J'ai peut-être dit... Ouais, c'est ça. Attends. Si je scanne... Scanner les environs. OK. Si je change d'outil... Échelle. OK. Essaye de voir si... comment je pourrais faire pour ouvrir la porte qui est là? Ça, c'est où ce que je suis arrivé dès le départ avec le train. Voyons voir si je suis capable de me rendre là. Il y a une échelle tout en haut, là. Ouais, il y a une échelle là, mais ça, j'ai déjà visité, en fait. Puis tu vois, ça m'apporte pas vraiment... Tu sais. Ça, je peux pas y aller. C'est ça, le problème. Ouais, si j'essaie de sauter là, je m'en vais là, ça sert pas à grand chose. Je sais pas. Comment ça que t'as manqué mon premier épisode? Ça fait quoi? 2-3 jours de ça environ? C'était quoi? C'était samedi, je pense, samedi matin? Je m'en souviens plus. Ok. À moins que je. Non, si je passe par là, ça ne marchera pas non plus. Bon, ok. Il n'y a pas moyen de contourner ça, cette histoire-là. Okay, voyons voir. Ah, il y a un bouton là, mais c'est ça, je peux pas me rendre. C'est ça l'affaire. Ok. Je sais pas si je peux grimper ici, peut-être.
Ça, c'est l'emplacement du vieux monsieur. Non, il n'y a pas moyen d'y aller pour tout de suite. OK. Bon. Je suis pas plus avancé, finalement. OK. Voici le cordon des brouilleurs. Moi, je pense que je vais suivre ça, finalement. Ah, mais comment tu veux que j'aille là, c'est bol? Eh ben, là. Ça se trouve où, ce soir, là? Okay, ça va être en haut par là, peut-être. C'est encore bien loin sur la carte. Comment je vais faire me rendre là? Il y a des choses que je comprends pas tout à fait dans le jeu encore. Là. À moins que. Attends une seconde. Il n'y a rien à faire. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir une zone quelque part. Ici, ça, je l'avais toute faite, mais pas en haut. On va y en voir si peut-être ça, ça peut changer quelque chose. Traverser le côté, ça me prenait une poulie, mais j'en ai pas. Faut que je réussisse, voyons, faire un parfum de force, à désactiver les brouilleurs dans la zone. Mais, okay, je vais essayer de quoi, là. Je sais que mon van va dans l'eau. Ah, jusqu'à quel point? Ouais, je veux bien, il y a une échelle là, mais j'y ai pas accès. Même si je la marque là, je suis pas assez haut pour grimper là. Ben, c'est ça que je m'en vais faire là. Je m'en vais vers là. Là, je suis où, cette carte là? Je suis loin, mais comment tu veux que je me rende là? C'est ça, je comprends pas. À moins que ce soit là-bas, à l'autre bout complètement. Ok, on va y aller.
On est-tu dans la bonne direction? Hein? Faut pas en tout. Mais... Allez, un peu, là, ça marche pas. Là. Là, je suis juste la terre ferme, on s'entend. Là, là c'est en face de moi, mais c'est, je sais pas comment passer, c'est ça l'affaire. Enlever ça là. Ok, Curie est là. Il est là. Ok. Débarquer du van. Je vais aller voir quelque chose. On va aller ici. Je sais pas, mais il fonctionne plus. Bon. Que t'ouvres la porte. Oh! Attends. Il est le fun, il est gentil, lui. Ok, fait que ça va me prendre la vente pour ouvrir ce coin-là. Bon, ben, ah, ben, j'ai trouvé où aller finalement. T'as pas évident? Fallait le savoir en tabouin. Oh shit! C'est quoi ça à l'autre bout? Ok, ici, il y a un brouilleur parce que je vois plus la zone du tout. Là. On va mettre ça. On va essayer de le trouver, il est où? Il y a pas de brouilleur là. Ok, à partir d'ici, c'est de l'inconnu. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Encore lui qui m'observe, ou elle, en tout cas, ce personnage-là. Ça fait 3-4 fois qu'on le voit dans le jeu, je sais pas, c'est pas c'est qui. Sepp. Bon, il s'appelle Sepp. Ah, c'est son père! Ok. Eh oui, c'est moi. Ouais, ça, il l'avait dit qu'il était parti à la recherche des nomades. Trop en retard. Ouais, mais couché comme ça, tu les trouveras pas vraiment. À moins que tu creuses sur dans le sable, mais je pense pas. Amène-moi au village, tu seras gentil. Je préfère Burger King. T'en fais pas, papa, je m'occupe de toi. Bon, ok. C'est bon, il ronfle déjà. Donc vite, là. Ok, fait qu'on retourne là-bas. Faut que je retourne. Je sais pas quoi ça sert, il y a des endroits comme ça que je peux m'asseoir puis méditer. À moins que ce soit pour un trophée, mais sinon pour ça, je vois pas à quoi ça sert vraiment. Encore là. Hey, c'est mon van qui est là sur le bureau.
mais là, c'est beau, mais sauf que là, je vais aller. Je sors de chez moi, puis je vais aller. Prendre le van, explorer. Et je me retransporte dans le van, aussitôt. Ça, c'est bien fait comme option. Ça, tu perds pas de temps. Message non lu, attends un petit peu, c'est quoi? Du brouillard que tu peux détruire. Bon, une zone approximative, je vais pas faire plus précis, désolé. Ça que je dis, j'appuie sur carré, là. Ça fonctionne pas pour aller à la zone. Là, ça fonctionne. C'est pas toujours précis, disons. C'est quoi ça? Poivron, argile, puis hawking. Deux minutes, là. Fuscus, ça c'est Ilia. Okay, moi, faut que je me rende là. Ok, bon. C'est parti. Une nouvelle zone explorée! Wouhou! Il y a une porte ici, je pense. Ouais. Passage d'entretien, nouvelle zone. Ok. Appareil étrange. Une machine à haute technologie qui ressemble à une bombe. Espérons que cela ne marche plus. Effectivement. Okay, je vais aller là. Composants. Un autre. Composants rares. Oh, ils sont nouveaux, eux autres. Je les ai jamais vus avant. Et voyons voir ce que ça va venir, ce passage-là. Ah, sandwich! Ça va être pour le vieux monsieur, il va être content d'être heureux. Il m'en reste encore quelques-uns à trouver, par contre. Wow, attends un peu, je suis rendu où, moi, là, là-dedans, là. Oh, il y a un carambolage de... Je sais pas trop, camion lunaire, je sais pas trop quoi, en tout cas, là. Camion spatial. Camion spatial. Camion spatial. Géocarrière. Je vais aller voir la plateforme qui est là pour commencer. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Ah, j'ai tellement hâte à demain parce que demain, je vais vous présenter un jeu qui fait longtemps qu'on en parle au podcast. Qui sort demain, justement. J'ai très hâte d'y jouer, d'ailleurs. J'en parle tantôt. Ok. Composant. Je suis encore loin de l'objectif. Ok, je me rapproche. C'est bon. Parfait. Le jeu, il est quand même assez vaste à visiter. Quand même. Les zones sont grandes. Surtout quand t'es à pied, là, d'ailleurs. Genre de jeu relax que tu te prends pas la tête quand t'es en train de travailler, mettons. Tu veux relaxer un peu. Il y a pas d'ennemis. C'est de la recherche, l'exploration. Des quêtes à faire. Rien de bien, bien complexe, là. Le plus dur, je pense, c'est de trouver son chemin, en fait. Oui. Ah, c'est ça. Regardez l'espèce d'artefact que ça fait. C'est gossant, ça, mais solide, là. Ça fait ça depuis le début du jeu, en fait, dans certains endroits. Je sais pas pourquoi.
Mais j'espère que ça va être corrigé avec une mise à jour parce que c'est vraiment agaçant pour les yeux. C'est même agressant à la limite. Je peux pas grimper là, non. Ok, parfait. Bon. Un tracteur! Okay, là, je m'en vais pas dans la bonne zone. Qui est à son linge là? Là, j'ai des messages. Ça, c'est ma soeur. Est-ce que je comprends rien qu'est-ce qu'elle écrit? Faut que je trouve la brouillard absolument pour trouver qu'est-ce qu'elle me dit. Ouais, ça, y a rien à faire. Faut que je trouve vraiment le brouillard. Est-ce que quelqu'un veut du linge? Je le vends pas cher. Ok. J'étais à combien de mètres de l'objectif là? Ok, je me rapproche, je me rapproche. Après moi, il va être en hauteur. Salut, Big Ghana! Ouais, ça va, ça va, ça va. Hop, j'ai laissé quelqu'un là-bas. Pas tout à fait ce que je voulais faire. Je sais pas s'il y a moyen de sauter sur les roues. Ouais, ok. Non, bon, pas tant. Je pensais qu'il y a peut-être moyen de. Comment sur le. Ben. C'est très relax. C'est. Je te dirais, le plus long dans le jeu, c'est de trouver où il faut aller. Sinon, tu sais, c'est des. C'est des mini-quêtes. Tu sais, il dit, mettons, essaye de. Passe par là, va là. Peux-tu m'aider? Peux-tu trouver des objets? Mais tu sais, il n'y a pas d'ennemis, rien, là. C'est vraiment très relax. Ah, il y a des gens! Avec un camion brisé. Ah, ok, le brouillard il est là-bas. Ah, ok, parfait. Hey, sérieux, ça gosse, ça, là. Bonjour, peuple! Intrus repéré. Ouais, ça fait changement. Effectivement, ça fait du bien. Non, je les installe pas, moi, j'ai détruit. Quand même, hein, 98% de sincérité, tu l'as dans ta. Hein? Il s'appelle Poivron. Tabarnane, donne-toi une chance dans la vie. C'est pas qu'il y a un autre piment d'avoir ça assez fort. C'est un jeu de mots avec Orge puis Wheat, son affaire, Orgite. En tout cas. Ok, ben, ils ont pété leur véhicule sur un rocher parce que le brouillard. Le brouillard. Le brouilleur, dans le fond, ils ont brouillé leur signal, fait qu'ils ont pété ça dans une roche. Légué Mistral. Ok, voyons voir. Je peux pas vraiment rien faire pour les aider pour l'instant. Ce que je peux faire, par contre, c'est désactiver le brouillard qui est en face de moi. Ça, je peux le faire. Je pense. Parce que ça devrait, en principe, c'est ça ma mission. Fait que... Je reviendrai au pire pour les... Il y a plein de composants que je viens de voir, là, mais c'est pas... Ok, je suis dans la zone, probablement. Ok, parfait. Ça aurait pris ma vanne, par contre, pour y aller. Là, je l'ai pas. Fait que je sais pas si je vais être capable de le désactiver par moi-même. C'est une excellente question auquel je devrais répondre dans pas très long.
Bon, on va recommencer ça en français comme il faut. Pas auquel, mais à laquelle. C'est une question. Depuis quand que c'est un question? OK. Ça ici. Ça. Ça, ça va être pour descendre l'échelle, s'il y en a une. Oui! Excellent, parfait. OK, là, je sais pas trop où aller pour monter là. Ah, ici. Il y a une HL. Ah! Une HL! J'ai fait un jeu de mots avec le jeu de hockey! C'est correct, Dom. Merci. Calme-toi, calme-toi. Et voilà! Fuck le brouilleur! Et bonsoir! Il est parti! Bon, j'ai reçu un nouveau message. Voyons voir. Je vois que tu as réussi à détruire le brouilleur. Bien joué. Ouais, c'est facile avec Clonton. Quand tu auras assez de composants, tu reviens au garage pour construire le grappin. Ah, voilà ce qui me manquait pour atteindre les hauteurs que j'avais besoin. Un grappin. Bon. Là, tu jases. OK. Ensuite, il semble qu'il y avait d'autres choses à faire. Vraiment, je vais aller enlever le repère, parce que le repère, ça ne sert à rien de là. Tu sais, ta Zelda, ben, écoute, j'ai bien aimé le A Link's Awakening, qui est dans le même style visuel, mais ça va faire quand même bizarre de jouer avec Zelda et non Link, pour une fois, je te dirais. Sinon, ça va être une nouvelle jouabilité. Alors, déjà, en partant, ça va être du nouveau. À savoir, là, jusqu'à quel point c'est bon. Parce que Nintendo, malheureusement, ils ont souvent habitué à sortir un bon jeu, puis après ça, ils sortent un flop. Ça a souvent été ça, l'histoire de Nintendo. Fait que je sais pas trop. Honnêtement, je me fais pas d'attente, mais, tu sais, j'aimerais ça être surpris. On verra. Mais tu sais, c'est pas un jeu que j'attendais en 2024 non plus. Ça, c'est une méchante belle option. Au lieu de revenir, de prendre 1000 mètres, revenir au van, tout ça. Non, moi, je fais juste me télétransporter dedans, puis that's it. OK, là, il fallait que je retourne sur mes pas. Parce qu'avec, j'ai cherché un grappin. On va aller chercher le grappin. Attends, j'arrivais par là, moi, je pense. C'est ça. Ah oui! Le grappin m'attend! Un petit peu plus vite. OK, il y a une limite de vitesse à respecter dans le village. Voilà! Je suis de retour! J'ai besoin de mon grappin! Les balles, ça va coûter combien? Ça serait bien fabriquer le grappin. Tiens, Nef a laissé un mot pour arracher les portes en toute délicatesse. Il manque des composants. Ben là, il manque quoi? Il manque quoi? Excusez. Je me suis laissé laisser. 41. Ah, il m'en manque deux. Okay, les rares, j'ai les ai. Il manque deux bleus puis trois rouges. Quatre rouges, hein, je ne sais pas compter. Bon, OK. Fait que je vais aller chercher ça. Avoir su, Calvas. Avoir su! Ah, boy. Au lieu de me faire revenir ici, il aurait pu juste me dire c'est quoi que ça me prend, puis j'aurais tout trouvé composant, puis je serais revenu tout de suite, me semble. Mais en tout cas, bref. Comment ça, signal brouillé, t'as boire? Oh, il y a un jump ici. Oh, 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 oh! Attends deux secondes. On va essayer de prendre ça de la bonne manière. Oui! Okay, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Y a-t-il un brouillard dans un brouillard?
Hey, c'est brouilleur d'homme, brouilleur. Répète après moi, brouilleur, pas brouillard. Ok. Si je grimpe sur les caisses, ici, ça devrait aller. Ouais. Et on a un composant ici. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Il y a une échelle par là. Ok. Pas rien d'avoir grand chose par là. On va aller de l'autre côté. Bon. Tout ça pour ça. Tendre une embuscade. Tu veux tendre une embuscade à qui? T'es tout seul. Ok, fait que finalement, je suis venu ici pour rien. Ah, comment t'es capable de monter, là? Ah! Ça, comme un pro. C'est-à-dire, une pro, t'es une fille. Éolienne. Droit devant. Je sais pas, il est où le brouillard dans la zone? Ah, il y en a un là-bas. Mais est-ce que je suis capable de me rendre jusque-là, moi? Oh, canon. Non, je pense qu'on va prendre le Grappin. Parce que c'est pas très grave, là. Je suis la recherche de composants, moi. Ah, il y a du rouge, là. Ça, c'est bon. On a besoin, justement. Fait qu'il manque un bleu, trois rouges. D'accord. La beauté de la chose aussi dans ce jeu-là, c'est que même si tu tires en bas comme un fou, tu meurs pas. Oui! Ça va juste rebondir. C'est pas merveilleux quand même. Réserve des gorges. Ah oui, hein? D'accord. Ok. Ah ouais, tu vas te prendre Caravan Sand Switch. Wow. Le jeu de mots, toi, chose. Ok, je peux-tu grimper là? Non? Bon. Ça va pas. Oh, un composant ici. Oh, oui. Oh, yeah. Ok. Ça, il y a quelque chose qui me dit que ça va prendre mon van pour ouvrir ça en tirant sur cette porte-là. Mais j'ai pas encore l'option. Donc, ok, je suis correct dans celle-là. Le prochain podcast va être quand? Écoute, on le fera pas au début de la semaine, parce qu'on a fait un samedi. Fait que, ça serait un peu trop rapproché. Je te dirais peut-être jeudi ou vendredi, là. Quelque chose comme ça. Ça va nous laisser le temps un peu de jouer à nos jeux, puis d'en parler, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur la bêta de New World Aeternum. Je vais parler de Caravan Sandwich probablement. Je vais parler d'un autre jeu que je fais aussi demain, qui sort demain. Ben, hâte de mettre la main là-dessus. On a parlé quelques fois au podcast d'ailleurs. Donc, ok, fait que là, il me reste, dans le fond. C'était plus hier après-midi que je jouais. Hier soir, j'ai pas joué. Hier soir, j'ai écrit ma critique de Emio Man. The Smiling... Attends un peu, non. C'est ça? Ouais. Emio. En tout cas, le Smiling Detective, là. Le jeu de visuel... nouvelle visuelle, mais d'enquête, tout ça, sur Nintendo Switch, exclusif, d'ailleurs. Vraiment très bon. Mais c'est... une nouvelle visuelle, malheureusement, c'est très niché comme jeu, fait que...
Ah oui, toi, tu l'avais déjà à New World, c'est vrai, ouais. Ouais. Ben, l'avantage qu'on va avoir en jouant sur console, c'est qu'on va avoir tout le contenu déjà sorti, avec l'extension d'ailleurs. Fait que tout ça va venir avec, justement. C'est quand même bien. Il va y en avoir beaucoup du contenu, là. Un peu, là. Il y a d'autres affaires. Ouais, effectivement, c'est vrai. Il y a vraiment beaucoup de choses de plus. Mais tu sais, c'est comme je disais à Max aujourd'hui. Tu sais, ça sert à rien de s'attaquer vraiment à l'extension. Je veux dire, tu sais, il me dit, ah, je sais pas, tu sais, si j'achète juste un jeu sur PC, j'aurai pas l'extension. Non, effectivement. Comparé à la version sur console, par contre, je te dirais que. De toute façon, si tu finis le jeu ou tu veux finir la campagne principale avant de t'attaquer à l'extension, tu l'as pour plusieurs dizaines d'heures, fait que tu sais, t'es correct, t'es pas obligé de l'acheter tout de suite, là. Moi, de toute façon, je sais pas comment ça fonctionne dans New World, mais j'imagine que l'extension, pour pouvoir y aller, faut que tu aies rendu vraiment loin dans le jeu, là. Je veux dire, tu peux pas. Ouais, non, c'est ça exactement, tu sais, c'est. Tu fais ta petite affaire tranquille, puis c'est un jeu, tu sais, c'est ça. Moi, j'appelle ça un tueur de temps. Hein. Puis ça reste dans le positif du terme. Là. Ce que je veux dire, c'est que tu commences à jouer à ça, puis mettons, je sais pas, moi, il est 18 heures, puis tu regardes l'heure, whoop, il est rendu 2 heures du matin, tu sais, puis tu travailles le lendemain. Oh oh. C'est ça, pour moi, un tueur de temps. C'est, tu comptes pas les heures d'accumuler dans le jeu, tellement que c'est captivant, c'est plaisant. Bon, je vais retourner dans mon van. Puis je vais trouver les composants qui me restent. Ah, tu vois, il y a un composant là, justement là. On va aller chercher. Ça va déjà être ça. Mais il est où, Calvas? Allô? J'ai besoin d'un composant. Au Calvados. Il est caché où? Comme dirait une boulette à un autre, où c'était caché. Ouais, mais j'ai. C'est ça que j'expliquais à Max, c'est que. Le New World Eternum, dans le fond, en plus d'une histoire retravaillée, ça offre tout le contenu qui est sorti sur PC jusqu'à date pour la version console. Fait que ça, c'est bien. Puis, tu sais, il me dit, ouais, mais c'est cher en maudit. Si j'achète le jeu plus l'extension, c'est 90$. Ouais, mais sur console, il va être ce prix-là aussi. Donc, tu sais, ça revient pas mal au même, dans le fond. Hein. Ah, calvaire, il est juste là. Je pensais qu'il était au bord de la clôture. Ok, voyons voir, il me reste quoi là? Ok, il m'en reste un. Puis il faut que je trouve du jaune. Mais le rare, il se fait rare. Ah, 100 heures, facile, 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 facile. Facile. Moi, c'est ça que je disais hier. Tu sais, le jeu, mettons, 90 heures, même 100$ là. À 100$, mettons, là, pour 100 heures, c'est une pièce de l'heure. Ça va à peine en maudit. Là. Un film, c'est 35$ si tu y vas à deux, puis ça dure 1h30, 2 heures. Tu sais, les gens, ils aiment pas ça quand je fais le comparatif avec ça, mais c'est ça pareil. Il y a du composant là. Ok, ouais, on sort. Sauf que, est-ce que je peux mon van? Je sais pas si j'ai l'option, peut-être. Ouvrir la porte, mais je pense pas. C'est quoi qu'il a vu là? Ah, c'est ça, il y a un composant, mais en dedans. On va aller visiter, c'est pas plus grave que ça. Bon, là, je vais enlever ça par contre parce que je vois plus rien. Peut-être en haut ici, il y a peut-être des trucs intéressants. On va voir ça. On va stationner le van ici, débarquer. Puis, je vais voir comment je peux me rendre là. Là, je sais pas du tout où je suis rendu où, mais vraiment pas.
Non, ça a pas marché vraiment, mon affaire. Okay, il doit y avoir un endroit pour monter certain. Comme ici, mettons. Bon. Parle-moi de ça! Excellent. Ok, ça c'est quoi? Ça, je pense que c'est une antenne qui ne fonctionne plus. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a un composant là, mais c'est pas la bonne couleur. Allô, Biboop? Ouais, une pizza, mais sans viande synthétique. Ah, de la viande synthétique. Dégueulasse. Au pire, donne-moi de la viande, mettons, VG, mettons, là, quelque chose, là, de la viande avec des racines, mettons, faite à base de racines. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai déjà goûté, là. C'est bon, là. Mais de la viande synthétique, pas convaincu que c'est bon. Là. C'est ça que ça me prend ici, là, l'espèce de grappin, ou ça me prend une poulie, en tout cas, bref. Pour aller là, puis je peux pas. Parce que là, ça m'a pas donné plus de composants que j'ai de besoin. Tabouère! L'antenne ici, non, ça je l'avais déjà regardé. Hey, c'est vaste quand même comme monde à visiter. Là. Ok. Il me semble que j'avance pas dans les quêtes. C'est long avant d'avancer. Mais bon. Je cherche un moyen d'avoir accès là, mais je pense pas que je. Non, je serais pas capable d'aller là. Hey, ça me prend des composants, là. J'en ai besoin. Arrêtez de niaiser. Tout dans la vanne, là. Je te dirais, c'est un. 12 heures à peu près, caravane sandwich environ, grosso modo. Là, c'est parce que moi, je fouille partout, là, tu sais, c'est. La charge des composants, là. Bon, on va voir ici. Sweet fuck off. Je veux les composants! Oh, attends un peu, c'est quoi qui est rouge, là? Qui émet un signal? Serait-ce un brouilleur? Voyons voir. Nouvelle zone de refuge. Mais oui! Mais oui, c'est un brouilleur! Et comment je vais faire pour grimper là, moi? Oui, effectivement, puis t'as pas fini parce que la. Le stretch avant le temps des fêtes, il vient juste de commencer. Fait que. C'est pas ton mal en patience parce que tu vois que c'est long. En tirant fort. Fait que ça me prend vraiment une nouvelle option pour mon van pour pouvoir. Ouais, ben nous autres, on est chanceux, ben, on sauve pas mal de jeux, ben, qu'on les paye pas. Sauf que moi, j'étais un peu imbécile. Dans le sens où, tu sais, mettons, peut-être pas Star Wars, c'est pas une bonne, c'est pas, mais mettons, mettons New World, ok? Bon. New World. Comment je peux pas. Ça arrête le téléphone avec la van que je puisse prendre le... Bon, mettons New World, mettons que on le reçoit, disons, OK? Mais moi, vu que je suis sûr que je vais aimer le jeu, ben je vais le racheter en version boîte après. S'il finit par se faire, évidemment, parce que c'est pas le cas présentement, là. Il est pas annoncé en version physique, c'est dommage. Mais je me dis que déjà qu'il sort sur console. Salut Max! On parlait de toi justement. En mal, évidemment. Moi, un gars qui écoute Occupation Double.
ben de la misère avec ça. Ok, l'échelle, est-ce qu'elle est à l'intérieur? Oui. Ok, je peux pas rien faire là-dessus. Par contre, je peux grimper là. Ah non. Voyons, ta boire, c'est pas sauté? Bah, merci. Ah, vous êtes pas sérieux, les gars? Tabarnan. Ouais, ben, bah, je sais pas quoi dire, pour vrai. J'imagine que. Il y a un certain plaisir à avoir de rire d'eux autres. Je suis pas trop. T'es rendu mon idole. Ouais, ça te prend pas grand chose, Max? En tout cas. Ok, mais là, faut que j'arrête de niaiser pour que je chauffe des composants pis vite, là. Parce que présentement, je m'emmerde un peu, là. Okay, voyons voir si ici il y a quelque chose d'intéressant. Non, sans façon. Non, Max, moi je décline l'offre. Un composant là, mais c'est pas la bonne couleur. Voyons que c'est bien compliqué de chercher des composants dans le jeu. Sacrifice. Hey, attends, il disait que lui, si je revenais avec mon van, je pourrais peut-être l'aider. J'étais avec mon van, là. Je vais aller me parler, voir si ça donne quelque chose. Ah, eux autres, ils l'ont vu. Non, il n'y a pas moyen de le sortir de là. Faut vraiment que je trouve l'option pour mon van, pour pouvoir les... Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire ici, là. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que je trouve l'option dans mon van pour pouvoir ouvrir ces maudites portes-là qui sont là. C'est bien un peu là pareil, peut-être. Là. Oh, une terrasse! C'est pas encore le bon. Oh, sandwich! En tout cas, casse-croûte! Barre énergétique, appelez ça comme vous voulez, en tout cas, bref. Non, je l'ai pas, j'ai pas la poulie. Ça me semble que j'aurais pu rentrer là. Moi, Catherine, c'est mon ex. De quoi tu parles? Pour ouvrir la porte qui est là. Merde. Êtes-vous en train de parler d'occupation double pendant que je suis en train de jouer, moi, là? Là? Sérieux, là? Oh, tap. Hey, je vais de déception en déception, moi, là. Ça fait pas de sens, votre affaire, les gars. Il manque toujours un maudit composant rouge, tabarnan. C'est frustrant, ça. Lui, il n'y a rien, non. Composant, mais bleu. J'ai besoin de rouge, pas de bleu. Ici, c'est quoi?
Voyons voir. Ok, je peux un petit peu grimper. Parce qu'il y a du jaune un peu. Ça, c'est correct. Ici, je peux pas ouvrir la porte. Je sais pas ce que ça prend. Non, pas du tout. C'est pas la même affaire, là. Death Stranding. C'est même pas la même catégorie. C'est pas la même chose du tout. Tu sais, ça, c'est un jeu avec un petit budget. Puis Death Stranding, on s'entend que c'est Kojima derrière. Ça se compare même pas. Là. Par contre. Oh, trouver une peluche. Ça va être pour Abricot. Oui, parce qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Abricot dans le jeu. Le rouge c'est fait. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, puis j'ai hâte. Le retour de Carole, tabouin. Le retour de Carole. Parce qu'au début, la série avec juste Daryl, c'était spoilé avec Daryl et Carole. Puis l'actrice, Melissa McBride, avait dit ah non, ça me tente pas tant. Puis finalement, ça a l'air que Norman Reedus a réussi à la convaincre. Très très hâte. Très 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 hâte. Mais j'ai hâte aussi à la deuxième saison de Walking Dead Dead City là, avec Negan et Maggie. La première saison était incroyable. C'est des courtes saisons par exemple. Je pense que c'est quoi? C'est 6 épisodes, quelque chose comme ça. Là. C'est très court. Ok, mais là, il me reste juste les rares. Pouvez-vous me donner des rares sous le plat? Ben oui, j'ai aimé Fear the Walking Dead parce que ça expliquait comment que le virus avait commencé, en fait. Ce qui n'était pas expliqué du tout dans les 11 saisons de Walking Dead. Fait que là, au moins, ils ont expliqué un peu ça partait de où, c'était à cause de quoi. Le virus partait de Los Angeles. Donc ça, oui, ça, j'ai vraiment apprécié. Mais tu sais, c'est pas juste ça, Walking Dead. Il y a Walking Dead World Beyond. Il y a plein de dérivés de Walking Dead. Ah ben, tabarnan. Tiens, tiens, tiens. Madame au chapeau. On va prendre une petite photo pendant que je suis caché. Elle saura pas. Voilà. Là, je vais faire le tour. Comment qu'elle peut disparaître de même? Elle était là. Je viens de faire le tour, là. Va se volatiliser, taboire. Ça fait aucun sens. Yeah, composant rare! Oh, télécommande étrange, on dirait un talkie-walkie ou un détonateur, j'ai jamais vu ça. On dirait l'espèce de télécommande. C'est quoi le symbole explosion dessus? Oh, c'est peut-être moins bon, ça, par exemple. Ok, là, il me reste quoi, là, comme... Il me reste encore 3 rares à trouver. Tabarnane. Tu sais, j'aime ça fouiller, mais à un moment donné, ça serait le fun si on pouvait acheter les composants ou ce qu'on a besoin. Ah, il y en a un autre ici. Il y en a un autre là-bas aussi que je viens de voir. Sauf que comment je vais faire pour aller là? Bonne question. Il n'y a pas une échelle. C'est frustrant quand tu vois ce que tu as de besoin, mais tu peux pas l'atteindre. Là, je le fasse encore, mais j'ai pas ce que ça prend pour le camion. Ouais, je te dirais pas, je l'ai pas adoré, là. Mais disons que c'est un choix entre ça et le jeu qui est sorti en 2023. C'était Walking Dead, c'était fait par Game Mill. C'était tellement mauvais. Là. Attends un peu, je vais retrouver le titre vite là. C'était The Walking Dead Destinies. Hey, ça c'était mauvais en tabarnane.
Le seul problème avec Walking Dead, le jeu, là, Instinct, là, le problème, c'est que, premièrement, il y avait le festival du clone. T'avais le frère de Jean-Claude, Jean-Pierre, Jean-Marc, Jean-Gilles. C'était tous les mêmes zombies tout le temps. Puis l'autre affaire aussi, c'est que l'aspect survie et tout ça, c'était moyen. Là. Ça aurait dû être pas mal mieux que ça, disons. On dit ça de même. Ouais, il manque toujours deux composants rares. Et ils sont fort rares. Ils portent bien leur nom. Je sais bien pas ce que je pourrais y trouver. Parce que là, c'est. Je visite, mais c'est long en tabarnak avant de les trouver. Peut-être en haut ici. J'étais allé en haut là? Ah oui, j'étais allé, je pense, parce que j'ai enlevé le composant qui est là. Ah, ben là, je sais plus. Attends, je suis allé là. Hein? Ah, ben oui, j'étais allé. Ouais, le brouillard, il est pété, le brouillard. Ah! Boum. Même pas mal. Je suis un professionnel. Bon, là, il manque. Deux rares, tabouin. Y'a pas un magasin de composants rares? Là, j'ai l'impression que je m'éloigne un peu trop. Ok. Bon, on poursuit mon chemin par là. Non, y'a pas d'ennemis. Dans le jeu, y'a pas d'ennemis. Parce qu'on part à date, là. Fait que c'est ça. Faire le tour ici, là, peut-être. Je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Là. Ouais, mais c'est pas un bon. T'as vu. Je peux tout ouvrir cette porte-là. Hein? Non, ben en fait, c'est. Si tu parles de ça, là, c'est pour scanner les environs, regarde comme ça. Ça me dit, mettons, s'il y a un brouillard à quelque part, s'il y a des composants, dans le fond, c'est des choses comme ça. Là. Je vais aller en haut ici. Je suis pas allé, je pense encore. Je vais aller là. Oh! Ben, c'est sûr que non. Ça, c'est pour, mettons, pour marquer des choses importantes, mettons. Tu sais, mettons, je scanne ça ici, là. Là, je peux scanner, mettons, là. Je peux faire marquer. Ça, ça me dire un peu c'est où après, là. Bon, ok, je vais descendre ici. Vigie de l'excavation. Qu'est-ce que c'est? Ok, moi je viens d'allumer ça. Fac, faut que j'aille en haut ici. Ok. Mais comment tu veux que j'ouvre la porte? Je comprends pas. Ok, il y a un autre système ici. Ah!
Protection contre les saboteurs. Saboteureuse. Ok. C'est pas très important. Ici, est-ce que je peux grimper là? Oui! Parfait! Yes! Un composant rare! Il en manque un! Il en manque juste un! Yeah! J'ai tout! Ah oui! Ah oui! Enfin! Excusez. Je me suis un petit peu laissé emporter. Bon! On s'en retourne au garage. Ah, je viens d'obtenir un trophée. Va le planer, toi, chose. OK. Oh là là. Oui! Ça, faut que je pense aller là, mais... J'ai envie d'avoir le grappin. Est-ce que c'est le grappin pour mon personnage? Ou c'est le grappin pour le van? D'où l'adage de dire « Tiens-toi après le grappin de Jean-Claude Van Damme. » Elle est bonne, hein? En tout cas. « Hey, salut, Scramoustache! Comment ça va? » OK, bon. Là, dis-moi que je peux le faire, s'il vous plaît. Là. S'il vous plaît. Enfin! Ah, donc c'est ça, c'est le grappin pour le van, finalement. Avec ça, je vais pas ouvrir des portes. Oh, parfait. Ils ont l'air d'avoir du plaisir. Ah, ça, c'est rose. Chapitre 3. Bon, je suis rendu au chapitre 3. Jour 8 depuis le message de Garance. Garance, c'est ma soeur qui avait disparu 8 ans auparavant, mais que son vaisseau a émis un signal. Fait que là, je suis reparti sur cette planète-là pour savoir, pour essayer de la trouver, elle est où. C'est pas chose simple, par contre. Bon, parfait. Donc là, j'ai un grabbin. Oui, ça va être utile, certain. Ah. Comme quand j'ai reçu le radar, en fait, ils me font faire une petite simulation. Là. Ok, ça, c'était clair. Là. Ok. Je rentre dans le van. Et. Voilà le grappin. Et ben voilà ta boire. Exactement ça. Ça va me servir à ouvrir les portes de même. C'est parfait. Ça, ça va ouvrir pas mal de zones dans le jeu, en fait. Hey, fuck you, le brouilleur. Mais voilà.
Ah, hey, Scaramouche, toi, Fanny, quand ton jeu, j'ai cru comprendre hier, ben, parce que j'ai fini ce matin là, la séance, parce que j'étais à me coucher, mais j'ai cru comprendre que tu vas finir ça demain et embarquer sur un autre jeu. As-tu un indice pour le prochain jeu? Ou tu l'avais déjà dit? Il me semble que tu l'avais pas dit. Je m'en souviens pas, en tout cas. Bref. Autour de l'aqueduc. Aqueduc, tu dis là, toi? J'ai trop de François Pérusse en tête. Il est resté débrouillé le reste de l'aqueduc. Ok. Voyons voir. Où faut que j'aille? Attends. Mission aqueduc. Ben, jamais du premier coup. J'ai beau. Bon, ok. Oh, c'est tout ça. C'est toute cette zone-là. Wouah, puis je suis loin en plus. Ok. Ok. C'est loin. On va y aller quand même. Tu le finis demain, ouais, puis t'embarques sur quoi après? Donne-moi un indice seulement. Je vais essayer de le trouver. C'est quoi l'autre jeu? À moins que tu ne veuilles pas le dire. Hein? Ça, je comprendrais ça. Désolé, j'ai un souci, j'ai perdu son chien, il est inconsolable. Bon. Ok. Je vais aller voir le petit abricot là, qui semble avoir un problème avec son chien. On va aller voir abricot. Tu parles d'un nom donné à ton enfant, toi, tu l'appelles Abricot, ici. Oh, Yuka... Ok, Abricot. Ah, je pense que c'est l'autre côté, par contre. Sims 4, Little Pony Adventure ou My Life Baby Sister. Je l'ai pas révélé, mais c'est un autre indie obscur 2D pixelisé sorti en 2012. Ok. Wow. Ok. Jeu. Ouais, hey, 2012, c'est quand même vaste. Là. Il y en a sorti du jeu en 2012. Ok, c'est pas Slender, je pense pas. Slender, c'est pas. C'est pas Slender, en tout cas. Mais Slender, c'est vraiment bon comme jeu, par contre. Attends une minute, là. C'est pas Alan Wake America's Nightmare. Ça, c'est comme le contenu téléchargeable de Alan Wake. Toi, tu dis que c'est pixelisé, hein? Oh, tabouère, ok. J'imagine que ça va être un jeu indépendant. Ok. J'essaie de passer au jeu pixelisé de 2012, mais. Je sais que c'est l'année de Halo 4, de Forza Horizon, de. Tu sais. Mario pis Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2002, Mass Effect 3. Ça, je m'en souviens. Tabarnan, t'es un peu, là. Un jeu pixelisé pis c'est d'horreur. Ok. Boy. Faut que je retourne loin dans ma mémoire à ta boîte. Ah, abricot! Bon, c'est quoi le problème avec son hochet, là? On a perdu son hochet connecté. Ben. Faut que je trouve son hachet à la plage. Ah!
Eh, tabouin. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un enfant? Excusez, un enfant. Je vais prendre mon van. Ok, bon. On va aller à la plage. On s'en va à la plage. Il y a un parasol qui parasole là-bas. On va y aller le voir. C'est peut-être ça. Elle est bonne, hein? Un parasol qui parasole. Ok, ça devrait être là. Mais là, je suis en train de regarder encore dans ma liste, dans ma tête. C'est quoi les jeux qui sont sortis en 2012? Puis. Il est pas vraiment connu, mais. Je veux pas me vanter, mais je suis quand même une pas pire référence en frais de jeux vidéo dans l'histoire. Fait que. Je me débrouille quand même bien. Tu vois, j'ai trouvé ton jeu l'autre fois qui était. Si ma mémoire fait défaut. Caliboire, c'était quoi le jeu que j'ai trouvé? En tout cas, j'ai trouvé ton jeu l'autre fois que tu parlais. Ah, voyons. What Remains of Edith Finch. Je suis tombé dessus. Mais là, c'est bon. Il me semble qu'il n'y en a pas sorti tant des jeux d'horreur en 2012. Surtout pixelisé en plus. Je me souviens des jeux, certains jeux, oui, en 2012, mais. Il était sorti sur PC, il était sorti sur d'autres plateformes aussi. Non, c'est pas. Il y avait. Il y avait un jeu qui était bon, qui était, si je me souviens bien, il était développé par Ubisoft, qui s'appelait I'm Alive, mais je pense pas que c'était très horreur. Même Wii U, ça a l'air. Ah, oh, ouais, ben là, des jeux de Wii U en 2012, il n'y en a pas 150 000. Pikmin, non, c'est le cas. non, mais ben, t'as peu. En 2012, sorti sur PS3, PC, Wii U. Attends, là, je suis plus dans le. Il a-tu sacré ça dans l'eau, lui, là? Là? Ou quoi, là? Mais non, ben, c'est quand tu veux, hein, tu grimpes, pas de problème. Bon. Un Jorge. Ah, mais j'aurais pu scanner avec mon van, par contre, peut-être que je l'aurais pu le trouver. Pas Xbox, hein? OK. En plus. Parce que je sais qu'en 2012-2013, Xbox était très fort sur les jeux Xbox Live. Xbox Live. Xbox Live, toi donc, maudit fatiguant. Xbox Live Arcade. Il y a un composant là. Il y a une radio. Et où sont hochés? Peut-être s'il y avait hoché de la tête, je l'aurais trouvé. Non, il est pas là. Bon. Un hoché électronique, qu'est-ce que c'est ça? Il est sûrement pas dans l'eau, sinon il est mort. Je vais aller voir peut-être tout ce que la radio. J'avais découvert une radio. Attends, là, comment je fais pour aller là? Moi? Je vais aller tout. Ah, ok, faut que je grimpe là-bas. Hey, il y a un fier d'être mongol là-bas. Mongol fier, en tout cas, moi j'appelle ça un fier d'être mongol. Faut juste comment que je fais pour monter là. Ok, qu'est-ce qui est sorti en 2012 aussi, vite de même? Spec Ops Zorens, qui était vrai. Voyons, fille, mate, fille. C'était vraiment excellent. Pas du Walking Dead, non. Non, Walking Dead est sorti sur 360.
Tabarnan. Jeu qui est sorti sur PC, PS3 puis Wii U. Il y en a pas des tonnes, là. Epic Mickey! Non, c'est le gars! Celui-là, je pense que je le trouverai peut-être pas, là. Y est-tu vraiment horreur ou il est juste. Bah, tu sais. Il y a quelques coups d'effroi, là, ou si tu préfères. Si tu préfères des jump scares, là, mais la traduction en français, c'est vraiment. Coup d'effroi. Et moi, je m'en vais chez Rose. Ah ouais, Max l'a trouvé. Ah ben, tabarnan. Lone Survivor. OK. Je vais peut-être... Je vais aller voir si ça me dit quelque chose. Toi, Max, parce que t'as fouillé sur les internets, ou tu t'es souvenu de ça comme ça, toi. Oh boy, Lone Survivor, c'est un film. Attends, je vais marquer game, ça va être plus simple. Il est sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PC, PlayStation 3, Wii U, puis PlayStation Vita. Ça me dit quelque chose, ça. Mais ça, c'est les ancêtres des jeux pixel art qu'on a aujourd'hui. Tu l'avais sur Wii U. Ah, ok, bon, ça explique certaines choses. T'as pas trouvé son calvaire de hochet. C'est quoi ça? C'est un flamant rose, c'est bol. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est tout seul dans son monde. Ok, là, Ok. Peut-être à côté de la radio. Ah, il y a quelque chose là-bas. Ça, c'est la radio, mais il y a quelque chose à côté. Eh, bonne question. Ouais, t'as plus de musique. Où es-tu, foutu hoche électronique? Parce que là, je veux pas redescendre en bas puis qu'il est juste là, dans le fond. Ça serait un peu niaiseux. Mais comment tu veux que je trouve ça, moi? Ah, chier. J'ai reçu un message, check bien ça, ça va me dire, ah, non, il est pas là finalement. Voici les coordonnées de notre petit coin. Ouais, ok, je suis directement dessus, c'est correct, mais. C'est quand même vaste à trouver. Il a l'air de quoi ton hachet? Parce que moi, je vois pas de hachet. Ah, il est là! Tabarnane, fallait le savoir qu'il était là! Calvos! Ok. Tu passes une place pour mettre ça aussi, voyons donc. En tout cas, Max, tu m'impressionnes, mais pas parce que tu regardes Occupation Double. On va se le dire. Là.
On va retourner voir Abricot. J'en reviens toujours pas que l'enfant s'appelle Abricot. Est-ce. Voilà, voilà. Hein? J'ai trouvé ton abricot. J'ai trouvé ton hachet abricot. Oui! Ça a l'appel pitant. Papa est pareil, hein? Sa mère s'appelle Clémentine, puis son enfant s'appelle Abricot. Lui s'appelle Olivier. Comme l'arbre, finalement. Ou le trophée. Un midi-kit. OK. Alors, ça m'a donné des composantes. J'ai des peluches pour abricots. Il m'en manque une, toujours. Ok, bon, là, la prochaine mission, c'est quoi que j'ai à faire? C'est une mission aqueduc. Ferme la grotte. Annonce que les humains de Stellou nous fermeront notre grotte jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui vous prend? Les brouilleurs humains sont dangereux pour les tétos. Je reste devant l'entrée au cas où quelqu'un de brouillé ne verra pas ce message. Ok, voyons voir c'est où. Bon, c'est pas tant loin, c'est pas si pire. Je peux toujours y aller en. En caravane. Et voilà. Transfert. Oula hoop, Barbatric. Maintenant, je peux ouvrir des portes avec mon van et son grappin. Hey, bonne soirée, merci d'être passé, c'est pas gentil. Je vais être chez toi demain ou mercredi, là, tout dépendant quelle journée tu le fais. Mais je vais être présent. Attends un peu, y a-t-il une place pour ouvrir une porte ici? Porte fragile. Oh, non, ça rentre pas. Je pensais de rentrer dedans, mais. Ok, c'est peut-être pas une bonne idée finalement. Voyons voir. On va voir ici. La porte est fragile. Oh. On voit vraiment cette eau-là. Fait que s'il n'y avait rien, c'est un petit dialogue. Je peux grimper ici, ici, comme ça. Parfait. Je peux plus avancer de passer par là. On va aller mieux de même. Voilà!
Fait qu'il faut une carte pour activer ce terminal. OK. Ça me prend une carte. Mais disons, entre où je vais, je trouve une carte. Tu vas me dire, ouais, dans un paquet. Oui, mais non. Je ne sais trop où trouver une carte. Et l'autre affaire est trouvée dans le jeu. Comme si elle n'avait pas assez comme ça. Bon, là, c'est pas tout, là. J'ai une mission à faire. Faut que j'aille ouvrir des portes. Parce que moi, j'étais un portier. attends, une seconde. Je m'en vais, moi, de même. Ah, OK. Faut que j'aille dans la forêt. Nouvel endroit. Oh, c'est joli! Terminus, tout le monde dessin. Bonjour, Maître Grenouille. Bon! C'est la version batracienne de Napoléon. Ça revient pas. Ben écoute, oui, ben effectivement, ben écoute, c'est comme ben des jeux, t'as des quêtes à faire, pis faut que tu te rendes là-bas, mais faut que tu trouves le chemin, puis c'est ça. Fait que... OK, fait que lui, il faut que je trouve le broyeur. Oui, il faut que je trouve le broyeur. Il y a bien de la nourriture, tu sais. Faut que je trouve le brouilleur. Depuis tantôt, je dis brouillard, broyeur. Pas capable de dire brouilleur. OK, donc, mission brouilleur. Ah, je l'ai eu! Voyons voir... Le brouilleur, il est dans quel coin? Salut, Max! Bonne soirée! Ah oui, c'est vrai, c'est... Non, c'est passé! Hein? Attends un peu, je comprends pas. Tu me regardais jouer en écoutant Occupation Double? C'est à quelle heure, cette cochonnerie-là? Attends, je pense que je suis capable d'ouvrir la porte avec mon van, peut-être. Voyons voir. La porte est juste devant moi. OK. Voilà. Boum. OK. Y a-t-il un brouilleur? Ah, y a une porte là-bas, par contre. Ah oui. Boum. Et voilà, une autre porte. Oh! Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, je suis retourné à la même place que tantôt, Calvos. OK, là, je suis dans le cercle jaune. Puis, faut que je trouve le brouilleur dans cette zone-là. Ça, je peux l'enlever de là, ça n'a pas rapport. J'ai nettement l'impression que c'est l'espèce de truc rouge ici en haut. Oups, excusez. Je sais pas conduire. On
Voyons voir comment que je vais faire pour aller là. Bon point. Ah, j'ai l'impression que c'est pas la bonne place. D'accord. Va avoir un moyen d'y aller. Ah, il y a une porte. Et comment je fais pour ouvrir cette porte-là, moi? Comme ça. Aussi facilement que ça. Ah, mais je suis pas déjà venu ici, moi, il me semble. Parce que oui, moi. Et là, je suis complètement de l'autre côté. Faut que je réussisse à... Ah, peut-être par là. Ici. Non, pas tant finalement. Ok, ça monte pas par là. Je suis revenu dans la zone. Là, je suis plus dedans. Mais le temps de sortir de là, peut-être que. Si je grimpe ces plantes-là, est-ce que ça se fait? Non, je passe au travers. Ok, ça répond à ma question. Il y a une échelle là-bas. Quoi qu'il y aurait mis une échelle là? Mais comment je fais pour grimper là? Calvas! On va avoir un moyen. Ah, je le vois, le brouillard, il est là. Mais comment je fais pour atteindre ça? Comment je vais faire pour grimper là? Pour Caravane Sandwich, tu parles? Ouais, j'en doute pas. Ben écoute, c'est fait par un studio français, indépendant, avec pas tant de ressources que ça, puis la bande originale est vraiment bonne en plus, ça. Ben, tu sais, comme j'ai dit, c'est un jeu relax qui se prend pas la tête. T'sais, je veux dire, à part que pour chercher. Là. Mais, c'est ça, je sais pas. Faut que je réussisse à grimper là, mais comment. Calvaire, ce que je vais faire ça. Parce que même si je fais le tour par là.
Je te dirais que ces temps-ci, je tue pas tant de monde que ça. T'es assez tranquille de ce côté-là. Comment que je fais pour monter là? Même si je grimpe ici sa paroi, ça fonctionnera pas. Ah, ici peut-être. Alors, niaise-moi pas, là, t'es capable de grimper là, là. Bon. Oh, celle-là, je ne sais pas comment l'atteindre pour vrai, là. Sinon, la solution, c'est de passer peut-être par l'autre côté. Au lieu de passer par là, de passer par ici. Mais encore là, je ne sais pas si ça se fait. On va voir ça. Hey, tu gosses pour vrai, là. T'es capable de l'atteindre, ça, là. Voyons. Un autre jeu que j'ai aimé, qui est vraiment relax, là, si jamais tu le connais, ça s'appelle Lake. C'est un jeu que t'es une postière, que tu remplaces ton père qui est parti en vacances, mais qui veut peut-être prendre sa retraite. Tu fais juste livrer le courrier, mais t'écoutes les histoires des gens en même temps, puis tu jases avec eux autres. Il y a des petites missions à faire ici et là, à faire des fois, mais c'est vraiment bien comme jeu, pour vrai. Moi, j'ai vraiment aimé. Et j'ai trouvé le chemin! Yes! Enfin! Hein, le brouilleur! As-tu quelque chose à dire avant de mourir? Non, il est trop tard. Bye-bye. Et voilà! On vient de découvrir une nouvelle zone. Fait que là, je vais retourner dans mon van. C'est vraiment beau. Hey, quand tu regardes ça, là, le jeu il est vaste, pareil. La carte est grande dans ta tabarouette. OK, Oulaou, Barbatrouk. On retourne dans le van. Voilà. Ok, là, faut que j'aille par en bas, je pense. Puis je rentre dans le poteau, évidemment. Là, faut que j'aille ici. Alright. Oh, il y a un point de. Un point de repos, en tout cas, un point d'intérêt. Ça, je cherchais comme nom. Oh, yes! Une autre barre! Oui, monsieur va être content d'être heureux. Okay, bon, ça, c'est fait. Voilà. Ok, tu levais avec abricot avec ta soeur avec. Non, 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 non. Alors, on va dire là-dessus. Bon, ok. Bon, qu'est-ce qui est ici d'intéressant? Rien. Absolument rien.
Voilà, mission accomplie, jeune homme. Ah, je laisse pas avec ça. Il ouvre la grotte. Oh! Puis ça va servir à quoi d'aller là? C'est pas très sauf, je suis ouvert. Génial. Ok. Voyons. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas allé à la grotte. Nouveau message. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vais vers l'entrée, sauf que j'ai détruit le brouillard. Super, je vais pouvoir passer vous prendre quelques chopis. C'est pas merveilleux, la vie. Hein, bon. Ouais, ouais, attends une minute, là. Il y a des messages qui sont rachetés de ma soeur, là. 5 jours depuis l'envoi de signal de détresse, la consortium propose plusieurs services pour les obsèques. Envoyez RIP pour plus d'informations. Non, mais c'est parce que c'est pas sûr qu'elle est morte, là. On se calme, on saute pas aux conclusions trop vite. 8 jours depuis l'envoi du signal de détresse, la consortium est dans le regret de vous informer que l'assurance vaisseau de Masco Garance ne couvre pas les frais liés aux accidents mortels. Elle est pas morte! Veux-tu même sacrer une petite patience avec ça? Bon, ok, là, mon père veut que j'aille la voir, mais j'ai pas le temps, je suis dans une grotte. Oh, ça ressemble à Avatar. Va-t-on voir des navis? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Bon, d'accord. Ok. Oh! On dirait une grosse grenouille, ou en tout cas quelque chose comme ça, avec des têtards. Oh mince. Bah, pour que je ramasse des tétards. Des tétos, en tout cas. Soit, ok, parce que c'est écrit comme ça, c'est marqué vraiment Yelds se cache en le lisant. Il, ce serait soit avec Elias, qu'est-ce que le E vient faire là? Convertisseur mycélium. C'est quoi un mycélium? C'est l'espèce de fleur bleue qu'on voit là, qui est comme lumineuse, c'est ça? Donc là, des petits champignons frais à manger, ça les met de bonne humeur. Bah moi aussi, j'aime ça les champignons. On convertit ça à mycélium. Mais, toute bonne chose a une fin, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Quoi, c'est... Je suis rendu à 1h50 aujourd'hui, là. Je pense que j'ai fait ma part un peu pour le jeu. J'ai quand même pas pire avancé. Ça, c'est bien. Mais ouais. Donc, non, l'aventure est le fun. Ça avance lentement, par contre. Ça, on va se le dire. Mais jusqu'à date, j'aime bien le jeu. J'aime mieux ça que le jeu que j'ai fait dernièrement qui s'appelle Creatures of Ava. Que ça, j'ai pas aimé. Vraiment pas. Je trouvais que c'était répétitif, c'était redondant. C'était pas très, très intéressant à mon point de vue. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord non plus. Ça reste une opinion. Mais c'est ça. Donc, voilà. C'était Jedi Zone pour explorer un jeu sur le 2e épisode dans le jeu Caravan Senwir. Oui, Senwir. Sur PS5. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur ma chaîne Twitch Explorer un jeu, sur le site factory.com ainsi que sur notre chaîne YouTube Factor Geek. Ouais. Vous avez un commentaire, une suggestion, un courriel. Ça se passe au factorgeek@gmail.com. Médias sociaux.
Twitter, Facebook, le Facteur Geek et mon Twitter personnel sur Jedi du Nord, ainsi que notre podcast qui est trouvable partout en audio et en vidéo. Et surtout sur le site factorgeek.com et sur notre chaîne YouTube aussi, en version vidéo. Là, c'est sûr, vous allez le trouver. Il s'appelle l'Assemblée ludique qui va peut-être avoir lieu cette semaine, vers la fin de la semaine, parce que là, on a fait un samedi, fait que je ne vais pas trop rentrer en même temps. Là. Deux, mettons, à quatre jours, c'est un peu excessif. Bon, le jeu de demain. Celui-là, je l'attends depuis que j'ai vu la première bande-annonce. Je me souviens plus c'était quand. Ça fait un petit bout. Pas un gros bout, mais un petit bout. Et le jeu avait l'air tellement original dans l'approche. Moi, personnellement, j'avais jamais vu un jeu avec un style comme ça. Mais les jeux sont demain, enfin. Puis, tu sais, la bande-annonce est incroyable parce que il n'y avait pas grand-chose qui était sorti le dernier mois sur, justement, la sortie du jeu, la date, tout ça. On se demandait, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, finalement, Devolver Digital nous a envoyé une bande-annonce incroyable. Ah! Divulguant la date. Puis là, tu vois, c'est marqué 2025. Ah non, le petit bonhomme, il pète le 2025, met le 2024. Après ça, 17. Là, on ne savait pas trop c'était quoi le mois. Le 17 septembre. Ah ben, tabarouette, ça, c'est demain, ça. Et je parle ici de Plucky Squire, qui sort demain. Oh, oui, monsieur. Ou, si vous préférez en français, je trouve ça un peu ordinaire, ça s'appelle Le Vaillant Petit Page. Donc, voilà. Fait que ça va être le jeu de demain. Et ceux qui le veulent, en passant, il va être dans le PlayStation Plus demain. En plus, avec la sortie du jeu. Fait que c'est pas merveilleux la vie, si vous avez une PlayStation. Donc, Plucky Squire, il va être dans l'abonnement. Fait que ça, c'est parfait. Fait que demain, je m'attaque à ça. Parce que, pas que je veux pas finir Caravan Sandwich, mais je sais pas si je vais le finir sur Twitch Caravan Sandwich, parce que c'est quand même assez long. Je trouve que des jeux de 10 heures sur Twitch, c'est un peu long. Tu sais, 5-6 heures, ça va. 7 au maximum, mais ça se fait à peu près en 2-3 séances. Mais quand c'est rendu à 10-12 heures, là, c'est que tu passes quasiment la semaine sur un jeu. Moi, j'en ai plus que ça à présenter. Fait que, je sais pas, je vais décider ça, mais c'est sûr que demain, puis mercredi, ça devrait être The Plucky Squire. En tout cas, quelque chose de même. Et puis par après, je vous donne tout de suite le prochain jeu. Là, OK, je voulais faire Test Drive Unlimited, Solar Crown, mais le problème, puis j'ai même écrit à mon contact aujourd'hui, c'est que le jeu est brisé. Dans le sens où il demande une collection obligatoire qu'il ne devrait même pas. Je ne comprends pas cette option-là. Et le jeu, on perd notre sauvegarde. On est déconnecté à tout bout de champ. C'est n'importe quoi présentement. Fait que j'ai dit, écoute, tu veux que je sorte une critique dans l'état actuel du jeu ou tu veux que j'attende? J'attends une réponse. Mais je peux pas sortir ça, c'est ridicule. Là. Sinon, je vais donner comme 3 sur 10 au jeu. Là. Ça n'a aucun sens, ça. Mais je vais le faire justement sur Twitch, mais vu qu'on est déconnecté à tout bout de champ, ça ne servirait à rien. Je me fais expulser de Twitch à chaque fois, ça ne servirait à rien de faire ça. Fait que je vais continuer de même. Je vais le faire en n'étant pas sur Twitch, puis ça donnera ce que ça donnera. Par contre, j'ai reçu un jeu d'horreur. Ah oui. Et ça s'appelle, je vais aller voir dans toute la liste qu'on a reçue, parce qu'il y en a, ça s'appelle Edge of Sanity. Et lui, je vais le faire, ça va l'air vraiment intéressant, donc ça devrait être au courant, d'ici la fin de la semaine, je vais m'attaquer à Edge of Sanity. Puis, ben c'est ça. Donc, voilà. C'est ça, probablement le programme de la semaine. En fin de semaine, je verrai. J'ai toujours pas continué, d'ailleurs, Flintlock Siege of Dawn. Je l'ai comme délaissé parce qu'on n'arrête pas de recevoir un paquet de jeux. C'est ça qui est malheureux un peu quand t'es critique de jeu. C'est que tu reçois tellement de jeux qu'à un moment donné, faut t'en délaisser un pour aller sur un autre. Ça finit plus. Mais bon, faut que quelqu'un le fasse, hein, on n'a pas le choix. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que ça va ressembler à ça. Sinon, ah oui! J'ai ceux qui suivent un peu les péripéties, j'ai une nouvelle pour Han Holly. Ceux qui ont vu ma séance sur Xbox, justement, que le jeu a carrément planté parce qu'à un moment donné, pendant ma sauvegarde, en allant rechercher ma sauvegarde, je retourne au même endroit, puis les textures, ça fonctionne pas. Il n'y a pas de porte où il faut que je rentre, tout ça, puis tu tombes dans le vide.
Et j'ai écrit à mon contact là-dessus, et mon contact qui a contacté les développeurs en montrant ma séquence de jeu. Et finalement, ils se sont rendu compte que oui, il y a un problème. Je ne sais pas si sur PlayStation c'est comme ça, mais la version Xbox, il y a un bug. Et mon contact me dit, sors pas la critique tout de suite, attends. De toute façon, tu peux pas le continuer. Tu es rendu au chapitre 3, fait que tu peux pas vraiment avancer. Fait qu'il me dit, attends, je vais te tenir au courant avec les prochaines mises à jour, qu'est-ce que les développeurs vont faire. Mais oui, ils sont au courant du problème, puis parce qu'ils ont probablement qu'ils ont demandé à d'autres gens, ou il y a d'autres gens qu'ils ont contactés pendant ce temps-là pour dire, c'est parce que ton jeu sur Xbox, là, il plante, là. Fait qu'il faut faire de quoi, là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la mise à jour pour Unholy. Fait que j'attends des nouvelles, mais au moins, si ça se passe bien, je vais pouvoir le continuer sans perdre ma sauvegarde en plus. S'ils peuvent arranger ce bug-là, ça serait parfait. Mais bon, on va voir, on va espérer, parce que le jeu avait beaucoup de potentiel à mon point de vue. Fait que moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain à 18h avec The Plucky Squire. Toujours sur PlayStation 5, évidemment. Donc voilà. Fait que sur ce, bonheur à tous et à demain.